Ce sont les dernières plages de sable avant les Pyrénées qui apparaissent au loin. Ici, les montagnes se jettent dans la mer. Elles dessinent un littoral sauvage, fait de criques et de falaises. Voici la côte Vermeille. Nichée au cœur d'un amphithéâtre naturel, la petite ville de Collioure. Sur ses pentes, entre mer et montagne, le climat a donné naissance à un terroir particulier. Il y a des centaines d'années, les hommes ont planté des vignes. Elles produisent encore aujourd'hui un vin réputé. Bonjour. Allez, jeune. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? On y va, on parle là-bas. Ce matin, sur les hauteurs de Collioure, c'est le début des vendanges. Oh. Aujourd'hui, nous allons ramasser les syrahs. Donc les syrahs, pour vous repérer, c'est tout ce qui est sur échalas. Donc c'est ces grands bâtons là qui sont là. Voilà. Eh bien, c'est parti. Chacun s'arranger. Gilles va vous placer. On y va. Et il va me placer avec. Celle-là, elle sera plus dure quand on fera le grenache en bas. Nous sommes dans les vignes de Laetitia Pietri, une fille du pays qui a repris l'exploitation familiale. Pour elle, le début des vendanges est toujours un moment de grande tension. On angoisse terriblement. Je me demande si c'est toujours le bon moment, le départ de la date des vendanges. C'est ce qui va déterminer le futur de nos vins. On goûte régulièrement le raisin. Donc voilà. Et là, rien qu'en goûtant le raisin, on sait que les arômes sont là, la maturité est là, la peau est comme il faut, les pépins sont bien fondants. Donc ça ira. Et déjà, le raisin est bon, donc ça laisse présager un bon vin. Les vignes de Collioure sont accrochées à la montagne. Depuis des siècles, les hommes retiennent la terre grâce à des murets de schiste. Ici, la pente empêche toute mécanisation. Alors à chaque vendange, ce sont des tonnes de raisins qui sont transportés à dos d'homme. Et là, il y a combien de kilos? 45, 50. 50 kilos? Ouais. Tout à pied. Ouais, c'est comme si tu marchais sur la lune. C'est tellement lourd. Pour nous, ça correspond un peu à une espèce de cérémonial chaque an. Tu prends tes vacances à ce moment-là, en fait. Et tu te sens, tu sais, l'homme dans le paysage, tu te sens bien dans le paysage. Et ouais, c'est vachement intéressant. Tu te sens là, enfin, tu te sens là. Tu te sens dans la vie de la terre. Pour comprendre ce qui fait la spécificité de ce terroir, Laetitia nous entraîne sur les hauteurs de sa vigne. Et ben voilà, là on comprend le terroir, hein. On a tout. La mer évidemment, en premier plan, les vignes, la pente, la garrigue, la flore qui nous entoure, hein. Tu sens là cette odeur? On sent, hein. La mer Méditerranée est vraiment très très importante, a vraiment une grosse influence. Elle amène ses embruns maritimes. Souvent, on peut le ressentir dans le vin, quoi. Cette touche saline au bout de la langue, c'est assez incroyable. Videz vos seaux et on va les mettre dans le coffre. C'est joli, hein, ça fait ton charme, ça. Les saisons. La vendange de la parcelle se termine. Vous êtes monté à pied pour vous faire un petit désolé, hein.
Il faut maintenant transporter les raisins au pressoir. Pour redescendre, le camion emprunte un ancien chemin muletier en très mauvais état. Faut connaître la route pierre par pierre ici, hein. Tu peux pas. C'est la plus difficile là. C'est la plus difficile. Donc il faut être concentré, il faut voir un peu droite à gauche. Il faut être sur ses gardes. Quoi. Tu peux pas te lâcher 5 minutes. Ce travail d'une année, il faut le préserver, quoi. Après quelques minutes de descente, voici le bord de mer. La cave de Laetitia se situe au cœur des ruelles de la vieille ville de Collioure. C'est ici que depuis des générations, la famille Pietri fait son vin. C'est mon grand-père qui a construit cette cave. J'habite en face, donc je peux bien veiller sur mes vins, voir si la fermentation se passe bien. Voilà, je suis juste à côté, comme mes bébés. Il faut avancer les cales, les gars. Hein. Je vous l'ai dit 36 000 fois. Le déchargement des raisins débute. Et le patron de l'opération, c'est bien sûr Laetitia. Le tapis, il est à 35, Rodolphe. 35. Impec. Allez, c'est parti. Les raisins de la vendange 2013 sont particulièrement beaux. Hello. Salut Hélène, ça va ? Pour élaborer son vin, Laetitia n'est pas toute seule. Voici celle que l'on surnomme le docteur du vin. Hélène est œnologue. Sur les blancs ? Aujourd'hui, c'est sa première visite depuis le début des vendanges. Et son jugement est attendu avec impatience. Il y a du stress, il y a du stress parce que j'espère qu'elle va aimer, en fait, j'espère qu'elle va aimer. Mais Hélène est très franche et si elle n'aime pas, elle le dit. Et elle va le redire et le re-redire. Et elle met la pression toute la nuit. Et voilà. Donc, dès le départ, si ça part bien, c'est plutôt, on va passer une année plutôt tranquille. C'est le moment de vérité. Dans ce verre, le jus du raisin qui vient d'être cueilli ce matin. Le moulin, on a fait 1800 kilos. Verdict. Fraise à l'état pur. Fraise framboise. Et presque le côté un peu poivré, épicé. Voilà, juste et le côté acidulé de la framboise. Quand on pense framboise, c'est vraiment, on a le très léger tanin, pas la note végétale, mais c'est vraiment le fruit. Le fruit pour moi. Ça, c'est une bonne surprise. Oui. Bon. Allez, on va voir les barriques. Elle quitte maintenant la cave principale pour se rendre dans un ancien chai de la famille. C'est le domaine de Maggie, la mère de Laetitia. Salut. Ça va ? Attention, c'est le jeu. Et voilà. Allez, on y va. C'est là-haut que ça se passe. Allez. Ici, elles viennent vérifier la maturation d'un autre vin typique de Collioure et de sa région. Et pour découvrir ce trésor, il faut se rendre sur le balcon. C'est ici qu'est conservé un nectar. Dans ces bonbonnes, du Bagnouls. Un vin doux naturel qui vieillit grâce au climat méditerranéen. C'est le soleil, la chaleur, l'amplitude thermique, donc différence de la nuit et du jour. Et plus il fait froid la nuit, plus il fait chaud le jour, meilleur le Bagnouls. Et il est un peu mazou. Au fur et à mesure, les bonbonnes sont pleines. On voit l'évaporation se faire, on remplit jamais. Et donc ça a pour but d'accélérer le vieillissement et de concentrer les arômes. Voilà, on goûte. Au fil des mois, le vin prend ses arômes traditionnels de pain grillé, de fruits secs et d'épices.
Alors, on est en pleine tradition. Là, on reprend ce que les anciens faisaient. Ils avaient tous leur barrique ou alors leur bonbon au soleil qu'ils buvaient régulièrement et toujours entre amis. Hein. C'était pas le vin qu'on sortait tous les jours. Hein. C'était le vin pour une fête spécifique. On sortait ce vin-là. À la fin du repas, un petit chocolat, un petit bagnos blanc. C'est la joie. Le lendemain matin, le lever de soleil enflamme la côte vermeille. Les maisons de Collioure se teintent de rose. Ces couleurs, cette lumière, ont inspiré les plus grands peintres. Et ici, le long de ces plages, au début du XXe siècle, s'est écrite une page de l'histoire de l'art. Le village n'est encore qu'un petit port de pêcheurs d'anchois. Des dizaines de barques catalanes encombrent les plages. C'est un peu le bout du monde, avec déjà une ambiance et des odeurs d'Espagne. Au cœur de l'été 1905, deux jeunes peintres découvrent la lumière de cette côte. Henri Matisse et André Derain. Carnet de croquis à la main, ils s'inspirent de cette vie méditerranéenne. Collioure va être le révélateur de leur génie. Grâce à eux, la ville devient célèbre. C'est le Collioure identique à celui qu'ont connu les artistes, et notamment Matisse et Derain, lorsqu'ils arrivent en 1905 avec l'église qui donne sur la mer et le château royal, le château des rois de Majorque, bien sûr, qui est à l'identique. Et lorsque Matisse arrive de Paris, il arrive dans un autre contexte, c'est l'Orient, avec des couleurs, nous sommes au mois de mai, avec des couleurs, des odeurs très puissantes et un monde extrêmement différent de celui qu'il connaissait, bien sûr, du nord de la France. Et c'est un paysage essentiel pour la création du XXe siècle. Moi, je ne peux pas sortir d'un Collioure sans cette mémoire. Ils sont partout, partout. Il y a cette histoire forte ici à Collioure qui encore aujourd'hui nous explose d'une certaine manière au visage. Durant cet été 1905, Matisse et Derain travaillent énormément. Ils captent l'âme du lieu. C'est ici, au sommet du village, qu'ils vont réaliser deux tableaux majeurs. Ils travaillent en compagnonnage, en tandem, l'un et l'autre. Ils s'installent sur le même lieu, probablement sur la petite colline ici. Et Derain va peindre cette enfilade de maisons magnifiques qui donne sur la mer. Et Matisse, lui, peindra l'autre partie qui donne sur la rue du Mirador et qui donne sur le fameux clocher de Collioure. Voici la rue qui inspira Derain. Et voici son tableau. À 25 ans, il y exprime une nouvelle conception de la lumière. Il utilise des couleurs pures et puissantes qui explosent sur la toile. Matisse, lui, s'inspire de cette vue de l'église. Lui aussi s'engage dans la voie de la liberté picturale. Il se détache du réalisme pour rejoindre une peinture plus conceptuelle. Loin de l'influence de la capitale, ces deux grands explorateurs de la peinture inventent une nouvelle voie. De retour à Paris, au Salon d'automne, la puissance des toiles de Collioure fait scandale. Un critique compare les deux peintres à des fauves. Ce qualificatif va entrer dans l'histoire, le fauvisme est né. Ils apportent cette couleur nouvelle qui est la même que celle qui sort du tube. C'est-à-dire qu'on ne la mélange pas, on ne l'atténue pas, on ne la bouscule pas, on la donne telle qu'elle. Donc extrêmement puissante, extrêmement forte.
ils explosent la couleur et on se retrouve dans une nouvelle stratégie pour la peinture, une stratégie d'une puissance folle qui éclate ici. Et donc ils fabriquent cette magnifique histoire de l'art sur le fauvisme et Siakoulure. Nous quittons Collioure, cap au sud. À quelques kilomètres, voici la petite ville de Banyuls. Dès la sortie de son port, débute l'une des côtes les plus protégées du littoral français. Voici la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Ici, depuis plus de 30 ans, des hommes et des femmes veillent sur une faune et une flore sous-marine d'une richesse exceptionnelle. Ce matin, le bateau des gardes de la réserve quitte le port de Banyuls. On va peut-être aller le voir après les clubs de plongée. On va voir les structures de plongée là, ouais. Au bord là, sur les mouillages, et ensuite on passera sur la partie large. Nous sommes au cœur de la zone marine protégée. Ici, les activités humaines sont réglementées. En particulier la pêche sous-marine, qui est strictement interdite. Regarde là-bas, Jean-François, c'est un plongeur particulier, ça, normalement. On regarde tout ce qui est activité au niveau des plages. Les personnes qui se préparent à aller faire de l'apnée, voir s'il n'y a pas quand même une arbalète ou quelque chose qui pourrait faire que le poisson soit mis en danger. Bonjour. Réserve marine. Vous êtes venu avec la structure de plongée ou vous êtes parti du bord? Non, on est parti avec ce bateau là, avec le club, d'accord. Ouais. La richesse des fonds de la réserve attire de plus en plus de plongeurs. Là, vous avez vu beaucoup d'espèces parce que l'eau est très très claire aujourd'hui. Grâce au travail de protection des gardes du parc, ces eaux sont devenues un sanctuaire. Elles abritent de nombreuses espèces marines qui sont régulièrement étudiées. Tu peux prendre le cap Rediris ? Tu prends le cap sec de Rediris, là ? Ouais. Tu passes comme ça, ouais, tu te mets à l'abri. Sur un autre bateau de la réserve, une équipe de plongeurs se prépare. On va pas tarder, là. On se positionne, on jette. Ouais, on va lancer le robinet, là, on va le mettre. Ils partent pour une mission très importante pour la réserve. Au programme, le comptage d'une espèce emblématique de ces eaux, le mérou. Alors par rapport à ces espèces-là, on dit que c'est des espèces cibles. Notamment, elles permettent de mesurer l'effet réserve. Par exemple, sur le mérou, on sait qu'on était à peu près à 12 individus en 80-86. Et là, on est passé à 363 mérous lors du dernier grand comptage en 2011. Disons que la nature reprend sa place. Il faut jeter là, Jérôme. Donc c'est bon là ? Ouais, vas-y. Chaque garde est équipé d'une tablette pour noter le nombre et le type de poisson qu'il va rencontrer. Lors de ces comptages, la principale difficulté dans ces eaux très riches, c'est la visibilité. Et on partirait sur une visibilité d'une vingtaine de mètres, 25 mètres, donc ce qui paraît intéressant. Ça, c'est plutôt la bonne surprise. C'est vrai qu'on a des eaux quand même qui sont très chargées.
Et 20-25 mètres de visibilité, c'est la bonne surprise. Grâce à un masque spécial, Jean-François Lafont va pouvoir nous faire partager la beauté de cet univers. Okay. Vas-y, vas-y, go. C'est parti. Alors là, on est actuellement à peu près à 25 mètres. Donc, nous sommes ici sur un tombant de corail rouge. Le corail rouge, comme beaucoup d'espèces, est un indicateur de la bonne santé des écosystèmes. Alors là, fantastique vision. On voit pourquoi on travaille au quotidien. L'emblème de la Méditerranée, le mérou, le roi des lieux, le top prédateur qui démontre une excellente santé du réseau alimentaire. Et là, on est vraiment gâté du spectacle. Ici, il est tranquille, il continue son chemin sans accélérer, ce qui nous permet tranquillement de noter sa taille, la profondeur. Dans cette zone-là, on pense retrouver la Méditerranée telle qu'elle devait être il y a 40 ans. Alors là, moment exceptionnel. En pleine eau. En forme de fusée, donc très bien adaptée à la nage rapide. Des prédateurs hors pair. Les barracudas. Brochets de mer. Et là, cette magnifique murène qui montre la pointe de son museau. L'objectif maintenant de la réserve marine, c'est que toute cette biodiversité, cette population, par effet cascade, déborde hors de la réserve et contribue au repeuplement des zones en périmètre direct. Et là, on voit bien l'expression de patrimoine naturel, celui qu'on doit léguer à nos enfants. Retour en surface avec l'équipe de surveillance de la réserve. Salut Eric, ça va ? Ça se passe bien ? Allez, on continue à tourner. Attirés par les conditions de visibilité sous-marine exceptionnelles, plusieurs bateaux de plongée sont sur la zone. Et ici, pour eux, obligation de s'amarrer. Alors là, vous avez un dispositif d'amarrage qui est mis en place pour éviter l'ancrage des bateaux. Donc ça permet vraiment de limiter cet impact des ancres. Et donc on a des fonds qui sont vraiment protégés grâce à ce genre de bouée. Tout à coup, le bateau accélère, car l'équipe vient d'être prévenue de la présence de visiteurs inattendus. Hop, oh, oui, il a sauté. Il nous fait un saut. Là, il saute, là, il s'amuse.
Un banc de dauphins longe la côte vermeille. Il est devant, ils vont jouer avec nous. Regarde la pointe blanche sur le. Tu vois? Oh là là. Et là-bas, oh il y a là là, c'est génial. Là, ils ont envie de jouer là. Il faudrait que j'accélère un peu. Mais ils jouent avec notre épave là. C'est vraiment une super émotion parce que c'est très rare d'en voir. Et le dauphin qui est un mammifère, en fait, c'est notre idole par rapport à la plongée, quoi. Donc c'est vraiment génial d'en voir qu'on est très très ému, ouais, je crois. Ouais. Yeah. Un peu plus loin sur la côte, voici Cerbère. Dernière étape avant l'Espagne. Cette petite ville semble construite autour de son immense gare. Ici, pendant des décennies, ont transité les voyageurs et les marchandises de toute l'Europe. Aujourd'hui, la gare a perdu de sa splendeur. Mais Cerbère garde encore les traces, rongées par le temps, de cette période de faste et de richesse. Voici l'hôtel Belvédère. Un ancien palace tombé dans l'oubli. C'est un immense vaisseau de béton, une folie qui date des années 30. Les travaux de construction durent 4 ans. Les architectes utilisent la technique alors révolutionnaire du béton moulé. Il ouvre ses portes en 1932. Le succès est immédiat. Les voyageurs en attente de visa pour l'Espagne profitent de son confort. L'ambiance est à l'insouciance et à la fête. Pourtant, en quelques mois, tout va s'arrêter. 1936, la guerre d'Espagne éclate. La frontière ferme. L'hôtel s'endort. Au Belvédère, le temps est comme suspendu. La bâtisse est aujourd'hui un témoignage unique de la vie de cette côte dans les années 30. Jean-Charles Saint est le petit-fils du fondateur de l'hôtel. Il se bat pour conserver cet héritage. Derrière cette porte, voici sa pièce fétiche. Voilà, c'est la pépite du bâtiment. Alors c'était le cinéma, mais ça faisait aussi théâtre à l'italienne. À l'arrière, il y a des coulisses qui permettaient de mettre des décors. Voilà. Ce théâtre accueille à l'époque les plus grandes vedettes parisiennes. On a d'anciennes affiches, on peut distinguer encore le nom de Louis Jouvet, l'autre qui était Loulou Gastet, là. On a une affiche de la sœur de Tino Rossi, on a une autre affiche avec Fernandel qui vient jouer une pièce. Fernandel, Maurice Chevalier, tout est fait pour divertir la clientèle huppée. En montant au sommet du bâtiment, on peut même s'adonner à la pratique sportive. Car le toit est à l'époque un terrain de tennis. Il y avait des poteaux tout le long, comme ça, qui montaient à 3 mètres, 3 mètres 50, où était tendu un filet, évidemment, pour éviter d'aller chercher les balles un peu plus bas. Quoi. C'est... Parce qu'il n'y avait pas que des bons joueurs à l'époque. 80 ans après sa construction, la bâtisse est mal en point. Les embruns et le sel grignotent doucement le béton. Pourtant, Jean-Charles ne baisse pas les bras.
Je pense qu'on arrivera. Et beaucoup de gens s'intéressent à cette bâtisse. Et donc, je trouverai le moyen et de financer et de faire ce qu'il faut, quoi. Vous savez, on est des fois un peu inconscient. Donc, c'est l'inconscience qui fait faire beaucoup de choses. Si on réfléchit chaque fois, on ne commencerait pas. Nous quittons maintenant la France. La frontière passée, voici les oliviers et les chênes verts. Au fond d'un port naturel, l'une des plus belles villes d'Espagne, Cadaqués. On la surnomme parfois Cadaqués la Blanche. À l'abri des derniers ressauts des Pyrénées, elle a su garder son architecture et sa culture. Cadaqués s'illumine sous le soleil du matin. Pour Édouard, c'est l'heure magique. Il est né et a grandi ici. Quand tu es de Cadaqués, tu l'as vraiment dans le sang. Vous voyez, c'est comme une île. Car il y a seulement une cinquantaine d'années que nous avons une route. Avant, tout le monde utilisait la mer. On a été isolés pendant des siècles. Toutes les communications se faisaient par la mer. On connaissait le port de Gênes ou de Civitavecchia en Italie, ou même des villes d'Amérique. Et on n'allait pas à Figueras, qui est à seulement 30 km d'ici, car tout venait de la mer. Cadaqués est une ville de marins et de commerçants. Une ville riche, qui pendant des siècles a été la cible des pirates. On va passer par une brèche dans ce qui était en fait l'ancienne muraille qui protégeait la ville. Et vous voyez que toutes ces petites rues sont très étroites. Elles ont été construites pour faire comme un labyrinthe, pour que les assaillants, les pirates, se perdent à l'intérieur du village. Édouard nous entraîne maintenant au sommet de la ville pour découvrir ce qui fait la fierté des habitants de Cadaqués. L'église. Brûlée au XVIe siècle par le pirate turc Barbe Rouge, elle a été reconstruite par les marins du pays. Il dédie alors à la Vierge ce retable baroque. Il est considéré comme l'un des plus beaux de Catalogne. Et pourtant, il a bien failli disparaître. Les communistes, à l'époque de la guerre civile, voulaient détruire tout ce qui était en rapport avec l'église. Et donc les habitants, pour protéger le retable, ils l'ont muré. Ils ont fait un grand mur, ils l'ont enduit et ils l'ont peint. Et quand les communistes sont arrivés, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Ils ont détruit deux ou trois statues de saints. Mais grâce à ce mur, ils ont sauvé le retable, qui sinon aurait certainement été brûlé. Édouard nous entraîne à présent au sommet du clocher.
Là, voyons, on a vu ça spectaculaire. Vous voyez, c'est une vue spectaculaire. Nous sommes à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer. On a pu conserver tout ça parce qu'on a toujours eu cette mentalité de préserver ce qui était à nous. Quand tu arrives au sommet de la montagne, que tu vois le village, tu dis toujours « ça y est, je suis à la maison ». Car c'est vraiment notre maison. On peut être catalan, on peut être ce que vous voulez, mais avant toute chose, on est de Cadaqués. À quelques centaines de mètres du centre de Cadaqués, voici la demeure de l'un de ses habitants les plus célèbres. Nichée au fond de la crique de Port-Liégat, cette ancienne maison de pêcheurs est une véritable création artistique. C'est ici que pendant près d'un demi-siècle a vécu et travaillé un génie. Le peintre Salvador Dali. Dali associait Cadaqués à la lumière, la couleur, l'inspiration, les vacances. Et c'est ici aussi qu'il a connu Gala, sa femme. Il décide d'acheter une cabane de pêcheurs. C'est le premier noyau de la maison. En fait, la maison regroupe deux cabanes de pêcheurs qui n'avaient pas d'électricité. Ce n'est pas vraiment la maison qu'on pourrait imaginer pour Dali. Elle est très austère, mais encore maintenant, à l'intérieur, on sent vraiment sa présence. À l'intérieur de la maison de Dali, rien n'a changé. Chaque objet est à sa place. Et tous participent à l'univers surréaliste créé par le peintre. Dans ces lieux, pendant 50 ans, il va donner libre cours à sa créativité et à sa folie. Avec Gala, sa muse, ils mettent en scène leur vie. Cette maison est au cœur de son œuvre. Tout est conçu dans cette maison pour que la rencontre avec Dali à un instant quelconque vous produise un choc inoubliable. Dans cette archive filmée de 1964, Dali reçoit les actualités françaises dans son royaume surréaliste. Dali déclare volontiers qu'il y vit comme dans une prison et qu'elle serait insupportable sans Gala, l'unique femme mythologique de notre temps. Comme doué d'un don d'ubiquité, Dali est partout, recréant en chaque endroit son univers frénétique et baroque. Ça, c'est l'atelier, avec les fenêtres orientées pour avoir une belle lumière. C'est ici qu'il a peint, jusqu'au dernier jour, en 1982. Et là, vous pouvez voir la baie, avec le port. Ça, c'était vraiment le paysage qui l'inspirait. Ces paysages de Cadaqués et de Port-Liégat sont très présents dans ses peintures. Partout dans la maison, de petits couloirs forment un véritable labyrinthe. Ce sont des petits passages. Dali disait des passages secrets. Il relie les différentes parties de la maison. Au centre de la demeure, on retrouve la végétation méditerranéenne.
Ici aussi, l'espace a été pensé et structuré par le maître. Dalí a mis dans cette maison toute sa créativité, sa philosophie, ses pensées. Elle reflète les différentes étapes de son évolution créative. Cette maison fait vraiment partie de son œuvre et elle nous aide à mieux le comprendre. Le lendemain matin, comme en hommage au peintre, les premiers rayons du soleil levant illuminent la petite crique de Porlliegat. Bon dia, Joan. La journée est idéale pour prendre la mer. Juan est agriculteur et pêcheur. Aujourd'hui, il accompagne Victoria, la conservatrice du parc naturel du Cap de Creus. Situé entre Cadaqués et la frontière française, ce cap est un site fragile qui vient de renaître. Aujourd'hui encore, il requiert toute l'attention des conservateurs. L'accès au site par la mer ne peut se faire que par temps calme, car la zone est redoutée des marins. Ici, le temps change très rapidement. Aujourd'hui, on a une très belle journée, mais en une heure, la tramontane peut se lever et on peut avoir des vents de force 9 ou 10. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas être en mer. Il y a beaucoup de courant, et avec le vent, en quelques instants, tu peux te retrouver complètement perdu. Cette côte a toujours attiré les habitants de Cadaqués, car elle abrite un lieu mythique. Voici le Cap de Creus. Ce sont les dernières roches des Pyrénées. La pointe la plus à l'est de toute la péninsule ibérique. La pointe la plus à l'est, c'est ici. Et il y a le cap. Et cette île, ce serait le point le plus extrême. C'est un paysage avec une tranquillité, avec superbe. C'est, pour moi, c'est la roche, non, les couleurs, la lumière. Une fois le cap contourné, voici la Calakulip. Une petite crique accessible seulement depuis la mer. Elle marque l'entrée de la réserve intégrale. Ce que l'on protège ici, c'est un trésor géologique unique qui date de centaines de millions d'années. Les géologues considèrent que c'est une zone d'intérêt mondial. Car ce que les scientifiques ont décrit dans les livres, eh bien ici, on peut le voir directement dans la nature. Lors de la poussée des Pyrénées, il y a 300 millions d'années, du magma est remonté à la surface. Ces schistes, ces roches ont ensuite été érodées par la mer et le vent. Elles forment un paysage étrange, peuplé de bêtes fantastiques. Un aigle, un phoque, un cheval. Cette richesse géologique est unique au monde. Sur le chemin qui mène au cœur du site, Victoria croise une équipe du parc au travail.
Ici, depuis des années, ils se battent contre un envahisseur. Ils sont en train d'arracher cette plante qui est invasive. Elle s'étend comme un tapis et elle empêche la végétation autochtone de pousser. Ça, c'est la racine. Il faut tout enlever, non ? Oui, tout. Si on laisse un tout petit morceau, elle peut repousser. Détruire cette plante introduite par les hommes est la continuité d'un incroyable combat. Car il y a encore quelques années, cet espace naturel ressemblait à ça. Des dizaines de bungalows de béton. Bienvenue au Club Méditerranée de Tudela. Nous sommes au début des années 60. En plein boom touristique, ouvre sur cette côte l'un des premiers clubs. Ici, chaque été, des centaines de passionnés de plongée viennent profiter de la beauté des fonds. Ici, on est au centre du club où on recevait les vacanciers qui arrivaient. C'était la réception. C'était des petites maisons dont on a gardé certains murs. À partir de là, tout ça, c'était des bungalows. Il y en avait 450. Ici en dessous, on avait une zone avec des restaurants, des bars, une piscine. Il n'y avait pas d'épuration. Des canalisations, on voyait tout à la mer. En 1998, le parc naturel est créé. L'État espagnol rachète les terrains du club. Quelques années plus tard, commence une opération unique en Europe. Un à un, les bâtiments sont détruits. Et les matériaux évacués. Un travail gigantesque pour rendre le site à son état naturel. On ne voit ça nulle part, une telle destruction. Partout on construit, mais jamais on ne répare. On a eu de la chance de démarrer cette opération avant la crise. Aujourd'hui, un tel investissement ne serait plus possible. En fin de journée, comme souvent, le vent se lève. Il apporte avec lui la brume venue de la mer. C'est au bout du cap de Creus que le soir, les amoureux de ce lieu se donnent rendez-vous pour boire un verre. Nous retrouvons Édouard, l'enfant de Cadaqués, avec des amis. Moi, j'adore toujours venir ici, à n'importe quelle heure, c'est fantastique. C'est un lieu de tranquillité, de paix, et c'est un point de magnétisme incroyable qui fait que les gens qui viennent ici se sentent vraiment bien. Et ici, on a un microclimat. Et tout au long de la journée, le temps peut changer. Vent du sud, vent de nord, le paysage change tout le temps. Et avec ce brouillard, c'est un peu mystique. En tout cas, ça pousse au mysticisme. La nuit tombe sur le cap de Creus et la côte Vermeille. Une côte qui, entre deux pays, garde une part de mystère. Et la force d'une nature encore préservée.